Ce n'est pas forcément l'ami de vos dents, mais ils connaissent à chaque fois un grand succès. Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Acidulés, croquants ou piquants, les bonbons seront très demandés samedi soir. À l'occasion d'Halloween, nous vous emmenons à la découverte d'un magasin tourquenois qui ne propose que ses sucreries. Vous trouverez votre bonheur à coup sûr, l'occasion de faire plaisir aux enfants et de rappeler certains souvenirs d'enfance aux plus grands. Rencontre avec le gérant de cette boutique gourmande qu'on écoute au micro de Louis Caillé. Certains clients recherchent un bonbon spécifique. Donc pour cela, enfin moi je travaille avec énormément de grossistes pour avoir justement une gamme très large. Des fois un grossiste pour un produit, ça m'arrive aussi. Et après, donc à moi de rechercher le produit que les gens veulent sur le magasin. Vous avez les 20-80 que tout le monde aime bien, mais vous avez aussi la spécificité, pardon, de chaque produit. Un best du magasin, enfin beaucoup de clients viennent le chercher. Le sachet de Tang, donc c'est un produit des années 80 qu'on trouve quasiment plus, enfin sur la région. Et donc c'est un produit que j'importe moi personnellement. Voilà, et on n'oublie surtout pas de se brosser les dents.